Réduire la dépendance de l'Europe de l'Est vis-à-vis des importations de gaz russe. C'est l'objectif principal de cette nouvelle unité flottante de traitement de gaz naturel liquéfié, mise en service dans la ville grecque d'Alexandroupolis. Celle-ci devrait également permettre de générer 382 millions d'euros d'économies en contribuant au remplacement du charbon et du pétrole par le gaz dans les Balkans. Le projet comprend par ailleurs un vaste réseau de gazoducs sous-marins et terrestres. Ils permettront de faciliter l'importation de gaz naturel en Grèce et son transport vers les autres pays d'Europe du Sud. What I can tell you is that Greece, with the existing and now Alexandroupolis infrastructure, plus the investment made in the network, will have by early next year an export capacity of approximately 8.5 billion. Les Balkans restent l'une des régions les plus dépendantes au gaz russe. La construction de nouvelles infrastructures permettant d'importer du gaz naturel liquéfié d'autres pays pourrait s'avérer cruciale, alors que l'Europe cherche à développer son indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou.